Ce dimanche 4 décembre 2022 a eu lieu le tournoi féminin Mizuno à Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Nadège Bayu-Gringoire est heureuse de vous présenter les missions de la commission féminine. La commission féminine, c'est d'abord 10 passionnés de judo, des professeurs, des commissaires sportifs, des arbitres. Elle est composée de Caroline Benteng, Michel Masquelin, Sophie Hénin-Goliot, Peggy Fauveau, Françoise Avril-Aubeuf, Guylaine Favier, Marie-Laure Philips, Stéphanie Danvers, Chloé Pernaud et moi-même. Notre principale mission, c'est de promouvoir le judo féminin dans le Pas-de-Calais par diverses actions, comme des entraînements exclusivement féminins. Mesdemoiselles, mesdames, nous vous y attendons. Et notre grand événement, c'est le tournoi féminin du Pas-de-Calais, dont vous apprécierez les images. Félicitations à la commission féminine qui s'est vue aujourd'hui être mise à l'honneur pour son travail sur l'organisation de ce tournoi féminin Mizuno. Encore un grand bravo à cette équipe qui a permis toute une organisation tant administrative que sportive pour permettre à ces 600 athlètes sur la journée d'aujourd'hui sur ce tournoi féminin de contribuer à une manifestation sportive qui a permis à l'ensemble du territoire d'être représenté. Grâce à nos amis normands, à nos amis du Grand Est, à nos amis hollandais qui sont présents aujourd'hui. Ça a été l'occasion de pouvoir leur remettre ce bouquet de fleurs en chocolat qui nous permet aussi de dire un grand bravo vraiment à cet investissement. Et on profite aussi de ce tournoi pour remercier nos partenaires actuellement qui étaient présents pour la remise des récompenses pour ces nombreux athlètes. Ça nous permet aussi de mettre à l'honneur le développement de notre territoire. Et on accueille aujourd'hui nos partenaires d'aujourd'hui et surtout nos partenaires de demain qui ont le projet de nous soutenir davantage, tant développer nos athlètes que tendre vers le haut niveau. Aider le comité à aller vers l'avant et à pouvoir se développer davantage et se professionnaliser avec l'arrivée, on l'espère prochainement, du dojo sur Verquin. Un grand bravo à la commission féminine pour ce tournoi, un grand bravo aux athlètes pour être présentes aujourd'hui. Merci au club de se déplacer sur l'ensemble de la journée. Et on vous dit bonne fin de journée et à l'année prochaine.